Après-midi, messieurs, dames. Je viens de la Belgique, mais du mauvais côté, c'est le parti nord. Donc, ma langue maternelle, c'est le néerlandais. Donc, je vais essayer de me débrouiller en français. Je vous ai mis mon email. Si vous avez besoin des PDF ou des diapos, vous m'envoyez un email et j'essaierai de vous répondre au plus vite que possible. On voit des pressions fortement élevées, 55 cm d'eau. Le volume tidal était à 100 ml. Et malheureusement, le patient est décédé. C'était un cas clinique du syndrome de compartiment abdominal. On a réanimé, bien sûr, et le patient s'en est sorti. Mais les grands brûlés, vous avez vu, le patient était hypothermique, avait le ventre gonflé, le remplissage futile, je dirais, au cristalloïde, l'hypothermie peut entamer un syndrome de compartiment abdominal. La question, c'est est-ce qu'il faut appeler les chirurgiens ou est-ce qu'on peut traiter de façon médicale? Je dois vous avouer aussi que je suis changé de position du 1er mai cette année-ci. Je suis devenu directeur médical et le but, c'est de construire ce bâtiment. D'ici 4 ans, j'espère bien qu'on y arrivera et on m'a promis une place pour mon bateau à Anvers. J'ai certains biais, conflits d'intérêts. Je consulte pour KCI, Convatec et Pulsion Medical Systems. Mais le plus grand biais, c'est que j'étais cofondateur de cette illustre organisation qui s'appelle la Société mondiale du syndrome de compartiment abdominal. Ça a été fait en 2004. À Noosa, Australie, et c'était mois de décembre. Normalement, c'est plein été et ça pleuvait chien et chat, cats and dogs, je ne sais pas comment on dit en français, mais on avait Fox Creek Wines, qui était le sponsor primaire du congrès. Donc on avait des wine tasting breaks au lieu des coffee breaks, et c'est là où on a pris l'idée de construire cette société. Mais écoute, je suis sérieux. C'est un cadeau offert par les résidents, les fellows, l'année passée. Juste pour dire que parfois, il y a un certain biais, et c'est vrai qu'on peut nous considérer comme une sorte de culte ou de secte, et on parle du latin. Donc, il ne faut pas croire tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. On vient d'avoir le 6e congrès mondial. On a fait ça à Cartagène, Colombie, un site UNESCO. C'était fantastique. On a eu 1600 participants. Il y avait 3 sessions en simultané, mais ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt. On vient de lancer un nouveau site de web et je vous invite tous pour y aller jeter un coup d'œil et devenir membre. Pourquoi vous devez savoir ceci ou quelque chose sur la pression abdominale? Mais peut-être pas. Peut-être vous aimez bien parce que c'est quelque chose de chaud, peut-être plus chaud d'il y a 10 ans, mais en tout cas les gens aiment bien en écouter. Peut-être je ne sais pas tout, mais je pense que ça peut changer la façon dont vous allez traiter le patient et au lit du patient. Quand vous faites une recherche sur PubMed avec PIA, hypertension abdominale, vous allez trouver une hausse exponentielle de la littérature. Et les définitions, vous vous souvenez? En buvant du vin australien, on s'est mis à côté, on a commencé à écrire les définitions dans ce temps-là, ont été citées souvent. Et c'est là où on s'est posé la question qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés au sujet d'une hyperpression abdominale. Juste pour voir qui mesure ou qui a mesuré ou qui pense de mesurer dans l'avenir. Okay, c'est la plupart. C'est la plupart, je dirais au-delà de 50%. Donc je pense que dans les années, ça a sûrement augmenté. C'est pour ça qu'on a fait une revision des définitions et des suggestions de traitement récemment. C'est Open Access, vous pouvez l'avoir gratuitement. Et on a fait un petit essai de traduire en français, mais malheureusement, on a juste fait la traduction de l'abstrait et ça va être publié dans Réanimation, le prochain issue. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça date déjà de 1863, où des Français, Étienne Jules Marais, commençait à mesurer des pressions dans l'abdomen, dans le thorax. Ils voyaient des effets opposés. Les Italiens étaient les premiers pour mesurer la pression dans la vessie, déjà 1881. Alors, quelles sont les définitions?
je vais être bref parce que c'est dans la littérature et vous pouvez avoir accès sur Internet. La PIA, c'est la pression dans la cage abdominale. Et c'est sûr qu'il faut tenir compte, ce n'est pas tout à fait la loi de Pascal qui est suivie, c'est aussi la gravité qui joue, l'uniformité de la décompression, la compression et peut-être l'effet de shear stress. Donc peut-être qu'en bas, la pression est plus élevée que si on allait mesurer tout en haut du ventre. La pression de perfusion abdominale, c'est comme la pression de perfusion au niveau du cerveau, c'est la pas moins la PIA. Le standard d'or pour mesurer la pression abdominale est d'aller par la vessie après avoir instillé au max 10-20 cc de sérum fille stérile. Une hyperpression, là on parle d'une pression au-delà de 12, normale ayant 5 à 7 mm mercure. Aux soins intensifs, on voit des pressions aux alentours de 10 mm mercure, une gradation qui est illustrée là-bas. Et chez les enfants, les petits-enfants, les seuils sont plus bas. On peut avoir un syndrome de compartiment abdominal, déjà une pression de 15 s'il y a une défaillance nouveau d'organes. Le syndrome est une pression au-delà de 20 avec défaillance des organes, mais une nouvelle défaillance. Ça peut être aigu ou ce qu'on voit, c'est les patients avec une rupture d'anévrisme, ou ça peut être un peu plus insidieux chez les patients en choc septique, les cages capillaires remplissage. Donc s'il y a un problème primaire au niveau du ventre, c'est un syndrome de compartiment primaire. Si c'est lié au leakage capillaire et remplissage, ce qu'on voit chez les grands brûlés, là on parle d'un syndrome secondaire. On a ajouté quelques nouvelles définitions, comme le syndrome du polycompartiment. On peut avoir un problème au niveau du ventre, thorax et au niveau de la crâne. On a défini la compléance abdominale, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas aller en détail. On a sûrement vu des patients en Réan qu'on a donné beaucoup de remplissage avec le ventre gonflé. Mais est-ce qu'on connaissait la PIA? On a souvent ces patients tombant dans une insuffisance rénale et tout d'un coup, il y a l'appareil d'hémofiltration. Mais est-ce qu'on connaissait la PIA? Et sûrement, au monde, il y a des patients qu'on remplit, qui tombent en défaillance d'organes, épuration rénale, défaillance multisystémique et qui meurent. Et je pense que partout dans des Réan au monde, peut-être on pourra sauver des patients si on est alerte à ce problème. On a fait un survey où on a mis des questions et on a donné des points. Le score moyen était 43%. Donc malheureusement, nos confrères n'étaient pas passés. Il faut 50% pour être passé. Donc je pense qu'il y a un problème de awareness que les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes ne connaissent pas le sujet. Est-ce que ça arrive? On a fait une étude épidémiologique et on a vu que l'incidence d'une hyperpression abdominale à l'admission est aux alentours de 25-30%. Et c'est plus élevé chez les patients en chirurgie d'urgence et les patients les grands traumatisés. Et on voit qu'au plus élevé la pression abdominale, au plus élevé la mortalité. Et si on voit une pression au-delà de 20, la mortalité est à 75, on dit en Belgique, mais ici c'est 75% de mortalité. Le seuil qui va donner une prédiction de mortalité, c'est une PIA au-delà de 12. Une bonne prédiction de survie, c'est une pression de perfusion abdominale au-delà de 60 mm mercure. Et plusieurs études ont montré qu'une hyperpression abdominale est liée à un meilleur, une mauvaise pronostic. Récemment, on a fait une méta-analyse où on a collecté des données de patients cas individuels. Donc, on a créé une méta-base. Et on a inclus 1669 patients. On avait à l'admission aux alentours de 30% de patients avec hyperpression abdominale, avec des scores de sévérité plus élevés et surtout des patients en problème médical et chirurgie d'urgence.
le bilan hydrique chez ces patients premières 24 heures était plus élevé. La figure Forest montre qu'une hyperpression abdominale est un facteur indépendant de mortalité en Réanne et pas tout à fait significatif, mais quand même un trend assez fort de mortalité dans l'hôpital. Donc, résumons, 1 sur 4 à l'admission, 1 sur 2 durant la première semaine. 5% vont développer le syndrome de compartiment abdominal avec une mortalité assez élevée, donc il faut mesurer. Alors, comment traiter ces patients? Il faut avoir un indice de suspicion assez bas. Il faut faire la prévention, et là, c'est le remplissage qui joue, le traitement médical, et peut-être à la fin, si tout ne fonctionne pas, si tout ne marche pas, on peut toujours faire appel au chirurgien. Donc, on préconise de mesurer la pression abdominale si on a 2 ou 3 ou plus des facteurs de risque. Et c'est surtout la combinaison d'acidose, hypothermie, coagulopathie qui est liée au triangle mortuel d'hémorragie, de dilution et qui va entamer à un remplissage continu. C'est le triade qu'on connaît très bien dans les patients traumatisés. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un indice clinique si on met deux mains ou une main au ventre et on secoue un petit peu? On ne peut pas. Il y a pourtant des chirurgiens. Est-ce qu'il y a un chirurgien dans la salle? Ok, on peut parler librement. Les chirurgiens, je peux vous dire, ont l'expérience qu'ils mettent une ou deux mains et qu'ils vont dire c'est 12, 15, 18, 20. Je ne sais pas comment on font, mais c'est comme ça. Vu le fait que l'abdomen, c'est un compartiment liquidien et ça suit la loi du Pascal, on peut mesurer la pression n'importe où on est dans ce compartiment. Par facilité, en Réanne, on va souvent par la vessie pour le dépistage et on peut aller faire une mesure continue par l'estomac, par une sonde gastrique. Donc classique, l'auteur de la colonne d'eau ou de la colonne d'urine, la densité est plus ou moins égale, c'est le standard d'or de la pression abdominale. Et à présent, il y a des techniques pharmaceutiques qui ont été préfabriquées pour faciliter. Juste pour vous montrer, l'infirmier soulève la sonde urinaire. Il y a un biofiltre, l'air stérile peut entrer. Et vous voyez qu'il y a une colonne d'urine qui se stabilise à la respiration et on mesure fin expiration. Une sonde gastrique avec un ballon, ça permet d'avoir un trend continu. Et imaginons que chez ce patient en dialyse péritonéale, on aurait mesuré 4 fois par jour, la moyenne est à 9, pas de problème. On n'aurait pas dépisté les hautes pressions jusqu'à 23, où le patient était mal adapté au respi, le ventre gonflé, et il était en désaturation et hypercapnie. Donc une mesure continue, peut-être dans l'avenir, ça pourra aider. C'est peut-être ce qui est important, c'est le temps que le patient a une pression au-delà d'un certain seuil, de 15, de 20, ou le RIA under the curve, comme on a vu chez le PIC aussi. Si on mesure au-delà de 4, 6 fois par jour, est-ce qu'on a une plus grande chance de dépister une hyperpression? Ben, cette étude de Rentham n'a pas montré si on mesure plus chez des patients qui n'ont pas d'indice ou de facteurs de risque, ça ne sert à rien. Donc je pense que c'est bien de suivre les guidelines. On a fait une méta-analyse récemment pour voir que sont les facteurs de risque. On a identifié 14 articles sur l'hyperpression abdominale et le syndrome de compartiment abdominal. Et certains facteurs, comme le remplissage, cristalloïde, non cristalloïde, sont des facteurs de risque. D'autres facteurs, comme le diagnostic à la présentation, n'ont pas un effet assez important. On a en sortie, je pense, au-delà de 20 facteurs de risque qui sont indépendamment liés à une hyperpression abdominale. On voit l'ileus, le gonflement des intestins, la dysfonction hépatique et peut-être l'acide. Et l'acidose, vous vous souvenez, l'acidose, hypothermie, coagulopathie et aussi le remplissage cristalloïde ou autre. Avec le bilan hydrique positif, tout ça peut emmener vers une hyperpression abdominale. Donc quand on remplit le patient, on a un édème intestinal et une augmentation de la pression abdominale qui peut entraîner une hyperpression veineuse. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut éviter l'hypovolémie, c'est sûr, mais il faut sûrement
éviter l'hypervolémie qui va entamener un œdème interstitiel, une hyperpression abdominale. Ce qu'on voit à l'extérieur, ça se passe aussi à l'intérieur, et des intestins gonflés ou des organes gonflés, ça peut lier à un système défaillance multisystémique. Pourtant, mon copain, c'est Michael Pinsky, pense qu'un œdème périphérique, c'est juste un problème de cosmétique. Mais moi, je ne pense pas, sûr et certain, quand on regarde le patient, c'est pas agréable. Il faut expliquer à la famille que le bon pain, bon pied est un peu gonflé, mais que c'est pas grave. Je pense pas. Je pense que c'est grave. Parce que quand on a une insulte, une inflammation, la perméabilité qui augmente, on peut avoir des séquestrations de liquide au troisième secteur. C'est de l'acide. Et cet acide, dépendant de l'insulte primaire, va être riche des cytokines et peut entamer une inflammation en continu. Et avec cette inflammation et hyperperméabilité, on aura des liquides qui vont s'accumuler, et j'appelle ça le lymphe toxique, de l'acide toxique et de l'édème interstitiel toxique. Pourquoi toxique? Parce que tout ce liquide qui reste au bord est riche en cytokines et peut entamer une inflammation chronique qui va lier à une défaillance d'organes à distance, comme acute lung injury, acute kidney injury. C'est ce qu'on connaît comme défaillance multisystémique. So this mechanism of injury is widely recognized and accepted for the lungs and the kidneys, where we speak about acute kidney injury and lung injury. And the same pathological process occurs in the gut, but this concept is much slower to seep through. The role of the gut as the motor of organ dysfunction cannot be denied, and difficulties in accessing gut function should not deter us from recognizing this concept. Donc, les intestins, c'est peut-être le moteur de la défaillance multisystémique, et on peut voir le syndrome de compartiment comme le SDRA des intestins. C'est pour ça que je pensais d'annoncer Acute Intestinal Distress Syndrome, en analogie du SDRA. Le problème, c'est que par la suite, j'ai été invité pour donner des cours sur des congrès HIV. Et alors, ce n'est pas une bonne idée, donc on a changé en Acute Gastrointestinal Injury. On sait tous qu'un leakage capillaire, ça peut commencer déjà après quelques minutes. Et c'est surtout pour ça que remplissage cristalloïde, ce n'est pas le bon choix. C'est un des films préférés. Et j'espère bien qu'à la fin de ma vie, je n'arrive pas en rien avec un sac de sérum phi, parce qu'il n'y a rien de physiologique à ça. Et il faut surtout éviter le surremplissage. On a vu dans des expériments animaux, si on remplit avec des colloïdes comparé avec des cristalloïdes, l'édème intestinal est beaucoup moins important. Et quand on a un édème intestinal, la contractilité va être diminuée et en résulte avec un ileus. Je suis interniste de base, donc ça me fascine. Une hyperpression abdominale, ça a des effets secondaires, non pas seulement dans le ventre, mais aussi sur les poumons, le cœur et le cerveau. Je ne peux pas aller en détail, c'est juste une liste des effets au niveau du cœur et au niveau des poumons. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, le traitement, c'est 5 niveaux, et à chaque niveau, on a 3 différentes étapes. Et je vais très bref, très vite, vous pouvez trouver tout ça sur le site web, aller dans tous les différents niveaux. C'est sûr qu'il faut optimiser la perfusion, donc il faut donner surtout colloïde, je pense, et une résuscitation early agressive. Et en faisant ça avec des solutions hypertoniques, on peut arriver à donner moins pour avoir la même pression de perfusion. Quand on mesure la PVC va être faussement élevée comme la PAPO. Et on peut calculer, si on veut, l'indice de transmission abdominothoracique. Si on calcule la différence de la pression abdominale, en règle générale, soustraction, la moitié. Par exemple, si l'infirmière me dit la PVC à 18, la pression abdominale est 16, donc je calcule la PVC transmurale, c'est 18 moins 8 égale 10. Donc dans ce sens-là, en phase aiguë, le patient peut être rempli. Mieux, il faut utiliser des critères volumétriques comme le volume télédiastolique ou avec la Swan, le volume du ventricule gauche. En France, vous aimez bien le active leg raising au moulin rouge. En rayon, on fait le passif leg raising.
il faut se rendre compte que ça peut être faussement négatif à cause du fait de ce que j'appelle le syndrome polycompartiment. Quand on a une pression au niveau de l'abdomen qui est élevée, cette pression élevée va être transmise au niveau thoracique et peut être même transmise au niveau cérébral. Retenons, en moyen, la transmission est aux alentours de 50%. Donc le changement de pression abdominale entame un changement au niveau intrathoracique et ça va avoir un effet sur la PPV-SVV. Et c'est là que Majoub de France a vu que les patients répondeurs avaient une pression abdominale plus basse que certains patients non répondeurs au passif leg raising. Mais tous les patients étaient répondeurs au remplissage. Donc il faut en tenir compte qu'une hyperpression abdominale peut empêcher le retour veineux des jambes et le retour veineux mésentérique. Et comme ça qu'on n'a pas un fluid challenge endogène et un passif leg raising qui est faux négatif. Et peut-être chez les patients en hyperpression abdominale, il faudra aller dans la position Trendelenburg pour avoir quand même un retour veineux assez important, bien sûr pas chez les patients en hyperpression intracrânienne. Au niveau des poumons, quand on a une hyperpression abdominale élevée, on a les coupoles qui vont être enlevées et c'est là qu'on pense qu'il faut traiter autrement ces patients. En ventilation protectrice, il faut calculer la pression transpulmonaire. Donc c'est la pression plateau moins de nouveau la moitié de la pression abdominale. Et un recrutement, ce n'est pas le 40 fois 40, mais peut-être qu'il faudra aller à une pression inspiratoire plus élevée. Et la PEP idéale, peut-être il faut la mettre pour couper l'effet d'une hyperpression abdominale. On peut s'imaginer que si la pression abdominale est élevée, qu'il faut la PEP à la fin du recrutement pour empêcher que les poumons vont collaber. Augmenter la compliance abdominale, comment on peut faire? On peut agir sur la paroi, peut-être sur les coupoles. On sait que quand on est une femme et qu'on a, quand on a eu des enfants, on a une compliance améliorée. Quand on vieillit, la compliance diminue. Et quand on a l'obésité, on a aussi une compliance diminuée. Si on met la sédation, aussi l'épidurale, ça peut augmenter la compliance, donc abaisser la pression. Sédation analgésie, le dexmedetomidine est mieux que le propofol. Et surtout, il ne faut pas utiliser le fentanyl parce que ça peut donner une contraction, une augmentation de la pression. C'est sûr et certain, si on a des pansements constrictifs, qu'il faut les enlever. C'est à Bruxelles où j'étais, on appelle ça le ventrophile. Le patient a une hyperpression, il faut couper. Les grands brûlés, si on a des escarres circulaires, il faut faire des escarotomies. Bien qu'au thorax qu'abdomen, ça va augmenter la compliance et abaisser la pression. Le prone ventilation, il faut être sûr que le ventre est libre pour empêcher une augmentation de la pression. Si on met le patient sur un matelas, il faut trouver le bon matelas, un matelas actif. Ça va empêcher une augmentation de la pression abdominale en position prone. Donc le positionnement du patient peut agir sur la pression abdominale. Ça dépend sûrement de la morphologie, d'anthropologie du patient. On sait tous que les hommes, c'est surtout des pommes et les femmes, c'est surtout des poires. Et c'est juste pour vous rassurer que c'est mieux d'être une femme que d'un homme au niveau de la pression abdominale. Enfin, c'est tout ça. Si on veut augmenter la compliance, il faut perdre du poids. Sûrement, il ne faut pas aller pour un six-pack parce que ça diminue la compliance abdominale. Alors, on peut prévoir les patients ORIAN qui vont peut-être avoir des problèmes. Autre passe, c'est le neuromuscular blockers. Ça peut gagner du temps. Puis, le remplissage, donc il faut être agressif au départ et puis il faut éviter le surremplissage. On peut essayer ça avec des diurétiques qui peuvent abaisser la pression abdominale. On peut utiliser le CVVH, ultrafiltration, un cas dramatique où au bout d'un jour, il a perdu 6 litres de bilan et ça a abaissé la pression abdominale.
intéressant, c'est que maintenant on voit que la PIA commence à être instaurée dans d'autres domaines, ici dans la cardiologie, la défaillance cardiaque, le syndrome cardio-rénal, et on pense que l'abdomen, c'est le missing link, et on a introduit le syndrome cardio-abdominorénal, où on voit que les patients qui vont tomber en défaillance rénale ont une pression abdominale élevée. S'il y a du liquide libre au niveau du ventre, on prend l'appareil écho, on regarde, c'est fascinant, et on essaye à enlever. Quand on a l'écho, on peut aller regarder les reins et calculer le resistive index, et on a vu qu'il y a une corrélation entre la PIA et le resistive index au niveau des reins. Donc ça peut être un des premiers signes. Quand il y a du liquide libre, on peut évacuer, et en évacuant, on peut abaisser la pression abdominale. Avec l'écho, si on ne trouve rien, on peut passer pour le scan. Et si on voit une collection centrale, on peut faire appel au chirurgien pour évacuer cette collection. Dernière chose qu'on peut faire, c'est s'il y a des collections intraluminales, c'est l'ileus, une dilatation de l'estomac. Des prokinétiques peuvent aider. On fait de nouveau l'écho, on voit qu'il n'y a pas d'ileus et que les intestins bougent bien. Si on voit ce signe, j'appelle ça le signe S, c'est le signe sleeping. Là, on sait que le patient est en ileus. Non, c'est une blague. On peut essayer aussi d'administrer des colonos prokinétiques, comme la prostigmine. Et on fait un stool protocol où on met le flexicil pour avoir un contrôle de ce qui va dans le patient, ce qui sort. Aussi, une décompression coloscopique est possible. Juste une dernière chose, le PAL. Le PAL, ça peut être votre copain. C'est la déressuscitation. C'est la combinaison d'une PEP. Avec ça, on va évacuer le liquide des alvéoles dans l'interstitium. Puis, on met l'albumine hyperoncotique. Et on attire le liquide dans les vaisseaux. Et puis, avec le furosémide, on essaye à évacuer ce qu'on a de trop. On a fait ça une étude pilote. 57 patients, on a vu après traitement que la PEP était plus élevée, c'est sûr, c'est ce qu'on voulait, et l'albumine était corrigée jusqu'aux alentours de 30 mg par décilitre. Après une semaine de traitement, on a vu une diminution de la PIA, augmentation de l'oxygénation, en tenant en balance le bilan hydrique cumulatif. Ceci résulte dans un survival plus important et sévrage plus rapide. Donc, je vous ai dit, c'est le traitement médical. On essaye tout, une combinaison, 5 niveaux, 3 étapes. Si tout ça ne marche pas, on fait appel au chirurgien, ça arrive sûrement 3 heures le matin. Ceci, c'est le professeur, vous restez au lit, c'est l'assistant, lui, il fait le boulot. Alors, quand tu commences à travailler comme intensiviste, vous demandez au chirurgien de jurer, si vous l'appelez à 3 heures, qu'il vient pour décomprimer le ventre. Il ne faut pas laisser le ventre fermé comme ça, non pas comme ça, parce que c'est sous tension. Les chirurgiens doivent connaître la technique pour décomprimer. On peut leur demander de prier, de faire un t-shirt avec « j'aime bien la PIA », mais sûrement ça n'aidera pas. Ceci, ce n'est pas bon. C'est en France, c'est Jean-Paul Gaultier, c'est designer VAC. Il faut une incision de xiphoïde jusqu'à la symphyse pour décomprimer le ventre. Donc, il ne faut pas trop croire. Si on décomprime, sûrement on fait abaisser la pression, mais une grosse partie des patients sera toujours en hyperpression. La pression diminue et souvent le débit urinaire augmente, mais dans les plus grandes études, on n'avait pas vu d'effet bénéfique au niveau des reins, peut-être parce qu'on était trop tard et on attendait trop long. Avec tout ce traitement médical, comme je vous ai montré, on a vu que la survie a augmenté et que, avec l'introduction des recommandations, je pense que le syndrome du compartiment ne devrait plus exister dans l'avenir. Et c'est ce qu'on a vu dans cette étude épidémiologique, post-injury, groupe 4, au-delà de 20-25 mm mercure. Ces patients n'existent plus si on fait la prévention. Donc, en résumant, je m'excuse parce que je parle plus vite en anglais qu'en français. Normalement, ça devrait être fait dans 20 minutes. Un sur quatre patients a une hypertension abdominale au départ.
1 sur 2 durant la première semaine. 5% hein, le syndrome de compartiment. Et ce n'est pas seulement dans les patients traumatisés chirurgicaux, c'est aussi les patients médicaux, les grands brûlés, les patients que vous ne pensez pas. Donc il faut faire le monitorage parce qu'il y a une corrélation entre la pression abdominale et la défaillance multisystémique. Et ça a un impact à ce qu'on fait avec le patient. Imaginons la PVC, le fait, comment recruter le patient, comment mettre la PEP. Donc tout ce qu'on fait au lit du patient, il faut connaître la PIA. On peut faire quelque chose, il faut se rendre compte, la prévention et le remplissage futile, il faut éviter. Et je vous invite de faire voir au site web. Donc si on veut ventiler un patient, moi je pense que c'est primordial de connaître la PIA pour calculer la pression transpleurale. C'est un surrogate de la pression œsophagiale. Et l'eau extravasculaire, moi je pense que ça peut nous guider pour la dérésuscitation. Souvenez-vous que PAL, c'est votre copain. Et si on commence à réfléchir autrement, je pense qu'on peut faire des bonnes choses. Et ce disant, je vous invite tous à venir à Anvers pour le prochain Fluid Academy. Merci beaucoup, je m'excuse.